Ok, let's go. Bon, on va partir. On va recommencer. Enfin, on va continuer, pardon. God of War, petit problème technique avec OBS. Mais bon, bah, voilà. J'espère que ça va pas trop porter à conséquence. On verra bien. Continuons. Whatever. Petite session aujourd'hui hein, seulement. Pas beaucoup de temps. Et comme ça permet de garder la main. C'est important. Garder la forme. Je ne me souviens même plus si je crois qu'on avait passé une zone particulière. On verra. Ok, donc on était là. On était sorti de là, ok. Ça marche. Ok, donc là ça fait rien. Hop là. Ok. Je me demande s'il n'y avait pas une... Oh bah non, ça va. Ok, bon, il y avait que ça? Ah non. Tu penses que... tu pourrais me laisser la porter sur la fin? Je t'ai déjà dit non. Pourquoi? Je tenais plus à elle que toi, de toute façon. Quoi? C'est juste que... je passais plus de temps avec elle. T'étais souvent à la chasse. Tu ferais mieux de te taire, maintenant. Ok. Et toi là, t'as fait quoi? Hop. Baf. Oh là. Oh bah ça va, c'était facile. Je crois que tu l'as eu. N'est-ce pas? Oh merde. Ah bah je crois que j'ai besoin de lui finalement. Ok. Ok, ok, bon bah... est-ce qu'il y a d'autres choses à casser là-dedans? Ok. D'accord. Merde, comment on fait pour sauter là-dedans là? Mais je veux pas. Je peux pas sauter. Bon, mais tant pis, hein. Cent 40 mètres. Ah, B. Oh putain, d'accord.
Ok. Tiens-toi prêt. Oh putain. Oh putain, mais... Putain, putain. Oh. Ah, putain. Oh putain. 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 Putain de merde. Oh putain. Putain, putain de merde. Putain. 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 Un ogre. Ici. Qui a construit cet endroit? Bah je sais pas, écoute, je sais pas, je sais pas. Putain, c'était violent. Y'en a d'autres? Non, y'en a plus d'autres ici. Faut que je... j'aille ici. Un ogre. Ok. Ah bah tiens, y'en a un autre. Ouf. Bon bah, je suis presque full life du coup. Très bien. C'est quoi ça? Protection. Le torse. 14-8. Eh, hey, j'ai plein de compétences, moi. Ok. Ok. Ok, et là, c'est quoi, là? Ouais, ok. Ok, on a raté. Ah. Ok, donc là on est là. On est là, pardon. J'ai oublié un petit truc par là. Bon. Putain, oh. Ah, cassé couille le LED là. Ok, donc là j'ai un truc assez violent, ok. Donc... ok. Raté encore, et là, toi... bonhomme là il a pas encore putain
Putain, je veux pas que je me trompe. Ouais. Non, mais je peux mettre un peu de bouclier, je peux faire ça. Raté encore, et puis je peux. Ça peut être bien ça. Voilà. Ok. Bon bah du coup là, est-ce que là on peut y aller? On peut y aller. Ouais, bon on va aller par là alors. Wow, je comprends pourquoi maman voulait qu'on l'amène ici. En effet. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Tu crois que Sindri sait que son monde sommet est pris dans les racines ici? J'en doute. Alors comment il va le réparer? Ce n'est pas mon problème. Ok. Bon bah allez. C'est de la fumée? Putain, mais dégage gamin là. J'ai obtenu de l'argent. Voilà. Bon, ça je pense que ça va nous servir pour remonter. Ne t'approche pas. Ah, qu'est-ce que c'est? On doit trouver un autre chemin. La sorcière. Si seulement elle était là, je parie qu'elle saurait nous faire passer. Ma magie est impuissante contre le souffle noir et on ne peut pas le contourner. Odin s'en est assuré il y a longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'étais occupée à sauver mon ami. Tu te souviens? Le souffle noir est un puissant détournement de magie contre lequel je ne peux rien. Seule la lumière d'Alfheim est assez puissante pour le repousser. Mais la route est longue. Que signifie ce voyage à tes yeux? Absolument tout. Suivez-moi. Pourquoi nous aider? Peut-être que je me retrouve en toi plus que je ne voudrais le reconnaître. Peut-être. Peut-être qu'en t'aidant, j'espère me racheter de mes erreurs. Ou peut-être que je vous aime bien. Même si on a blessé votre ami? Même si vous avez blessé mon ami, oui. Où devons-nous aller? Dans un royaume, bien loin du tien. On va dans un autre royaume. Vous venez avec nous? Seulement pour un temps. Non, pardon? Juste pour un temps. Oui, mais par contre, attends, parce que si j'ai plein d'XP là. Alors moi, ça va être la fête là. Ah merde, je peux le faire que là-dessus.
Pas mal ça. Il va falloir que j'apprenne à me servir du bouclier par contre. Eh, plus de... On va se servir de ça. Greitha. Il veut pas. Sindri a dit qu'il était cassé. Sindri? Le nain au pied de cette montagne. Il le réparait quand on est arrivé. Je n'ai vu personne quand je suis passé. Il avait peut-être fini. Les nains sont pleins de ressources. Et agaçants, en jugé par les deux qu'on a rencontrés. C'est vrai. Tourne ce levier. Là. Le temple de Tyr est au centre du lac. C'est là que se situe le passage vers Alfheim. Espérons juste qu'il ne soit plus sous l'eau. Que fait cette créature dans le lac? Nul ne le sait. Il est apparu un beau jour. Peu après, Thor l'a attaqué et leur combat a fait trembler tous les royaumes. Aucun des deux n'en est sorti vainqueur. Et Thor est reparti voir Odin les mains vides. Le serpent est resté. Et il a grandi au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Vous croyez au Ragnarok? J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Vous savez, on a parlé au Serpent Monde. Vraiment? Une exagération. Je suis doué pour les langues. Même celles que j'ai jamais entendues. Mais quand il parle, je comprends pas un mot. Personne ne le comprend, hélas. Il parle une langue morte. Ah, mais on peut rien lui acheter, là. Il doit se sentir seul. Ok, tu pourrais me parler, hein. Hop là. Ça vibre. Regardez où vous marchez. Par ici. Vous êtes sûr? On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Vous voyez? Tu en es certain? Je vais te montrer quelque chose. Oh, c'est du recyclage, ça. Tu regardes bien? Léost! Hein? Il est solide! C'est de l'architecture elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez, il va pas disparaître? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Par ici. J'en veux une. Ces racines, de quelle magie s'agit-il? Celle d'Evan. De Vanaheim? Tu les connais? Seulement quelques histoires. Maman m'a pas dit grand-chose sur les dieux Van, à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les As. J'imagine que, comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. Il n'y a pas de dieu bon, Atreus. Je te l'ai déjà dit. Ok, tu peux me parier encore, hein, meuf. Le temple de Tyr. Le grand Tyr l'a construit avec l'aide des géants. Et grâce à lui, il parcourait les 9 royaumes pour y maintenir la paix. Ils m'ont pas l'air très paisibles. Partout où on va, on se fait attaquer. Surtout par des morts. Les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts de gens. Aujourd'hui, ils ont fui ou ils se cachent. Seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde. Tournez à droite au bas de ces marches. Ok. What? Tiens, encore un cristal lumineux. À
Attendez-là, je vais ranimer la lumière. Lios. Ça a marché. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On va réparer le mécanisme. Commence par soulever cet essieu. L'essieu là. Ouais, celui-là. Ok. Bien. Maintenant, remets-le en place. Maintenant, aligne la roue sur le rail. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail. Wow ! Tu fais tourner tout le pont ! Comment est-ce que tout le pont peut bouger ? Oh, t'es vraiment très fort ! Pousse jusqu'à ce que le pont revienne dans sa position initiale. Tu fatigues ? Non. Il a toujours été très fort ! À propos de ces morts, on a entendu quelqu'un les appeler des éliens. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont de pauvres âmes tourmentées qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui ? Est-ce que la magie des vannes peut ressusciter les morts ? Elle le pouvait autrefois. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. C'est tout ce que je sais. C'est parfait. Remontez. C'est prêt. C'était très impressionnant. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère. Mon dos va très bien. À travers ces portes. Attendez, ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr ? Toutes les races ont aidé à sa construction. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon. Où la meuf ? Ah bah elle est là. Ok, faut que je sors là, j'imagine. Ok. Vas-y, gamin. Putain, mais où le nain là? Je crois que. Lios. La corde de votre arc ne brille plus. Son pouvoir s'est épuisé. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées. Passe-moi ton arc. Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. N'oublie pas. Ok. Bon. Vous parlez comme si vous veniez pas avec nous. Je vais essayer. Mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Pourquoi ? Les dieux ne m'apprécient guère. On y est ? Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. Votre magie produit pas ce genre de racines. Elles sont différentes. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles permettent de voyager entre les royaumes. Ok. Approche-toi de la table. Comment ça fonctionne ? Tu auras besoin de ça, un Bifrost, pour passer entre les royaumes. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Et maintenant ? Sois patient. Le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes, ainsi que les tours des royaumes qui encerclent le lac des Neufs, dehors. Tous les royaumes existent dans le même espace physique, et sont le reflet les uns des autres.
ses portes, les tours là dehors, et les 9 royaumes sont tous entrelacés et coexistent sur les branches de l'arbre monde. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. Alors c'est ça l'arbre monde ? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre monde est lié au destin du monde, tout comme nous le sommes. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, l'arbre soutient toute la création le long de ses branches. Son énergie vitale se fond dans la tapisserie de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Tous ces fils transcendent le temps et transcendent l'espace. Et tout revient à l'arbre. Voilà. Cela fonctionne ainsi. Mais j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. Oui. Très bien. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination, Alfheim. Oh, est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps ? Oui. La roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes sur le lac, dehors. Mais ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, la séquence ne peut commencer. Oui. Chaque royaume dispose d'une rune qui débloque le pont y menant. Je te donne celle d'Alfheim. Tu peux choisir ta destination maintenant. Nous sommes prêts. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Maintenant, le pont de passage va s'aligner. Et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. Vous voyez ce cristal géant ? Chaque royaume possède le sien. Il concentre et amplifie le pouvoir du Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac ? La tour de Jotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de 100 hivers, quand les géants ont quitté Midgard. Personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. Ça n'a pas marché. Il est toujours là. Suivez-moi. Le Bifrost est noir. C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière d'Alfheim. Alors nous sommes coincés. Quelqu'un avec tes ressources n'aura aucune difficulté à revenir à Midgard. Et on pourra retrouver le... Une fois que vous aurez la lumière d'Alfheim, oui. Allez, reviens à la ville. Ouais, c'est différent, dis donc. C'est rigolo, ça. Bienvenue à Alfheim, messieurs. Vous pourrez apercevoir la lumière. Je la distingue à peine. Ce n'est pas normal. Tu vois cette colonne de lumière au loin ? Elle est située dans un temple en forme d'anneau. Ce qu'on cherchait là-bas. Non. Non, 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 c'est pas vrai, pas déjà. Que se passe-t-il ? Pour rétablir la magie du Bifrost, tu dois entrer dans la lumière. Mais prends garde à ne pas te faire piéger. Non, mais... Non ! Elle est pas morte. Ça craint. À vrai ? Il y a peu de chance. Viens. Cet endroit est incroyable. Reste à côté de moi et ne touche à rien. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vas-y, ne touche à rien, bordel. N'écoute rien, ce gosse. Bon. Je
coriace. Ok. Quelque chose brille dans ce nœud, tu vois? Ça? Ah. Je crois que tu l'as tué. Ok. Wow. Pourquoi ils ont fait ça? Ça ne nous regarde pas, Atreus. Concentre-toi. Atreus. Qu'est-ce que ça dit? Ça parle d'une guerre éternelle pour la lumière. Je comprends pas s'ils en ont tous besoin, pourquoi ils la partagent pas? Par cupidité, tu apprendras vite qu'elle est à l'origine de bien des guerres. Ils continuent de tuer les elfes blancs. Ça reste une guerre, même si elle est sur la fin. Les dépossédés ont perdu. Ok. Pourquoi est-ce qu'il nous attaque? Il en viendra d'autres. Bah, d'où sort cette matière au juste? Oh putain, c'est chiant ça. Qu'est-ce que c'est mal optimisé ce jeu de merde? What? Tu m'as parlé? Non. Ah, d'accord. Allez, l'argent. Un autre morceau de code. Je vais essayer de les assembler. Ok. Au moins, on se rapproche de la lumière. Mais c'est Sindri. Regarde, il y a un bateau recouvert là-bas. Ouais. Tant pis, on va essayer de voir le chef.
Ok. Je suis d'humeur créative. Ok, oui, ben, putain, allez, mal branlé ce truc, hein. Qu'est-ce qui a attiré ton regard ? Très bien, ça. Et qu'est-ce qu'on a oublié ? Carquois, protection de torse. Ah, ça c'est intéressant ça. Ça, c'est magnifique. J'essaie de voir déjà. Protection du torse. Protection avant-bras. Ah, celui-là, il est quand même un peu mieux celui-là. De la taille et de Trévis. Ok, promo DH. Ah, non mais putain. Ok. Si il n'y a aucune urgence. Alors attends. Ok. Ah. Ah.
Ça. Ok. Voilà. Trop bien. Bah vas-y, hein, je vais prendre. Hein. Je vais prendre ça. Hein. Voilà. Peut-être quand même rajouter un peu de... va peut-être faire ça quand même. Ok. Ok. Comment es-tu arrivé ici, nain? Notre chemin était censé être le seul entre les royaumes. Le seul pour vous, peut-être. Mais nous autres, les nains, sommes pleins de surprises. Ce n'est pas une réponse. Laisse-toi émerveiller. Il reste si peu de mystères quand on a emmagasiné autant de savoirs des arcanes que moi. Trouver des ressources rares dans les royaumes, en faire des créations qui défient l'imagination. Pour les non-initiés, cela semble certainement magique. Bon, d'accord. C'est magique. Là, t'es content? Ok. Non mais là ouais je sais pas comment faire là pour je sais pas comment faire ça. Ouais, tant pis, on va. On peut avancer là? Ah, mais je suis con. C'était tout simple en fait. Ah tiens, il y a une... Ah non, j'ai cru qu'il y avait un petit chemin. Ok. Qu'est-ce que t'as dit? Je n'ai rien dit. Ah bon? D'accord. Enfin, il commence à avoir des voix. Hein. Ah, la flotte. Ta mère t'a-t-elle parlé de ce royaume? Pas vraiment. Elle m'a juste dit que le fait que les elfes se battent pour la lumière les isolait. Oh. Je n'ai rien dit. Et
étrange. J'étais sûre que t'avais parlé. Qu'y a-t-il, Atreus? Les voix! Tu les entends pas? Je n'entends rien. Elles ont disparu. Il y avait des cris. Et plein de voix en colère. T'as vraiment rien entendu? Non. Elles paraissaient... maléfiques. Ok, ça craint du boudin. Faut qu'on aille par là, clairement. Compliqué à l'eau quand même la flotte dans ce jeu. Regarde, on devrait peut-être essayer de leur parler. Non. Mais ils ont peut-être besoin d'aide. Tant qu'ils n'essaient pas de nous arrêter, ça ne nous regarde pas. Ok. Mais Mais j'ai dit que ça ne nous regardait pas. On peut pas. On peut pas s'arrêter ici, ok. J'espère qu'il n'y a pas 15 km parce que ça rame du cul sur le... Incroyable, ça doit être le temple en forme d'anneau. Bah a priori ouais, j'aurais tendance à dire que oui. Ah, est-ce que là on peut s'arrêter? Allez. Il y a des vasques de sable à Alfheim aussi. Tu veux que je lise? C'est vrai que c'est beau les décors. Si ça ramait pas du cul, franchement, ce serait trop bien. Quelle est la question? Sans moi ou en moi, ta mort est sûre. Mais en toi, je rends la vie plus pure. Mais je vois pas d'autres runes ici. Mmh. Retournons au bateau. Ok, bon, bon, on va s'arrêter ici, sur ce magnifique rayon de lumière de ouf. Et puis on reprendra la prochaine fois. A plus.